Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oula, discothèque déjà à la gauche là. S'il te plaît. Ambulance boisée. Oh, merci l'ami. C'est cool, merci. Attention à toi, j'arrive. Bienvenue pour cette première vidéo sur cette chaîne. C'est ma première vidéo. Donc voilà. Je vous dis tout de suite, hein, ça va pas être une vidéo où je vais parler d'un truc. Voilà, c'est vraiment du blabla pour me présenter. Que je fais, ça c'est dangereux, surtout avec un gosse, c'est hyper dangereux. T'as un passage piéton juste ici. Cette fois, c'est principalement là, ce que je viens de faire des commentaires en direct, en live. Je roule sur une petite Bandit 600 de 2004. Donc là, je suis à l'hybridée en 34 chevaux parce que j'ai le permis A2 depuis moins d'un an. Moins d'un an, moins de deux ans, évidemment, parce que c'était quand même plus d'un an que j'ai deux à deux. Il doit me rester genre 6 mois, je pense, avant de passer la formation première. D'ailleurs, je suis très très impatient de passer cette formation, parce que j'en ai marre. Moi, je prends la moto en fait tous les jours. C'est mon seul véhicule, donc je prends vraiment la Bandit tous les jours. Donc certes, j'ai pas beaucoup d'anxiété. Mais le peu de temps que depuis que j'ai le permis moto, bah, je l'ai exploité hein, à fond. Donc je pense que je vais m'en servir pour vous donner des conseils sur bah, mon vécu, mes expériences. Si ça peut vous faire éviter des emmerdes ou pour faciliter la vie, quoi. Écoute, moi je veux bien, je veux bien vous aider. Tout ce qui est conseils, on va dire, sur l'équipement, hein, voilà, c'est vraiment le starter pack. Bon, je sais pas, c'était trop lent à démarrer. Ici, j'ai l'impression qu'ils sont lents à démarrer, c'est incroyable. Ils sont d'autres temps. Hein. Ils sont pas stressés, quoi. Puis, alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, tu recules pas trop non plus, l'ami. Je suis derrière. Allez, Michel. Il est à 35 de démarrer. Oui, donc, des petits conseils comme ça. Hop là. Messieurs, Dab. Au plaisir. Des petits conseils comme ça, starter pack, je vais aller vite fait parce que bon, tout le monde en parle et c'est quand même assez logique de penser qu'il faut s'équiper hein, pour de la moto. Hein, si vous n'avez pas de carrosserie, hein. Si vous vous restez, vous prenez tout dans la gueule. Mais avec de l'équipement, vous pouvez avoir des traumatismes graves. Voilà, donc le manteau, c'est le minimum. Bah, non, le minimum, c'est le casque. Hein. Casque et gore, hein. Voilà, c'est obligatoire en fait. Après, vous pourrez mettre en place les gants. Vous pourrez mettre en place le manteau avec. Peut-être fermer la vis, donc on aurait mieux. Avec les bottes et le pantalon. Hein, déjà, vous aurez déjà une bonne protection, surtout pour la brasure. Et les chocs aussi hein, pour le casque. Mais ouais, surtout l'abrasion. Et là, ça sera déjà pas mal. Après, bon, vous pouvez toujours prendre un airbag, des trucs comme ça pour améliorer votre espérance de vie. Mais ça coûte très cher. Après, pour le choix de la moto, ça c'est pareil, c'est votre choix. Hein. Après, il faut savoir voilà, que chaque moto a son utilisation. Tout dépend ce que vous voulez en faire ou ce que vous faites. Moi voilà, j'ai pris le Bandit 600 parce que bon, mon optique voilà c'était de rouler tous les jours en moto, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Donc voilà, dans le cahier des charges, il me fallait quelque chose de costaud, fiable, qui peut pas cher d'entretien, qui peut bouffer des bitumes, ça ronge pas. Du coup, Bandit 600, voilà. J'ai pas trop hésité. J'ai hésité quand même entre la SV 650 et la Bandit 600. Mais j'ai rajouté aussi l'équation de passager éventuel. Avec une SV, question passager, voilà, c'est un peu la planche de pirate qu'il a. Hein. C'est une planche de voile, bordel. Il a 3 cm d'écart entre chaque fesse. Donc voilà. Bandit 600, certes c'est peut-être un peu moins joueur,
Mais même en duel avec une bande ici, ça, on peut très très bien s'amuser. Croyez-moi. Croyez-moi, mon expérience d'un an et demi en Mordie, à deux, on peut clairement s'amuser. Après, c'est sûr, si vous êtes passé d'une MT 07 et vous rétrogradez, c'est pas un bon terme, mais si vous passez ensuite une bande 600, bon, c'est sûr que là, vous allez sentir une très nette différence. Hein. En tout cas, si vous commencez avec une bande 600 pour faire vos armes, il n'y a rien de mieux. En plus, vous pouvez en trouver pour 2000 euros à peu près. Donc, pour commencer, c'est idéal. Si vous tombez, ce que je ne vous souhaite pas, vous allez moins, bon, ça va vous faire chier, mais bon, c'est, ça va moins vous faire chier que si c'était une moto qui était haut de gamme, on va dire, vraiment, voilà, gros truc de courant. Là, voilà, c'est une bandit, bon, ça fait chier, mais voilà, c'est bon, moins quand même. Je sais pas si devant ça va être bon parce que j'ai insisté avec le micro travail, c'est que t'as pas de fixation en PD. Et du coup au lieu de le mettre dans la cagoule, j'ai dû le mettre vraiment accroché à la paroi interne avant du casque. Et du coup c'est moins bien sonorisé quoi. Donc on va voir. En vrai je pense qu'en route comme ça là 40-50, en vrai je pense que la qualité est relativement bonne, c'est quand je commence à bombarder que là ça doit en pâtir la qualité audio. Si c'est pendant le montage, vous inquiétez pas, je ferai ça, je baisserai le son ou je mettrai de la musique. Oh c'est beau. Le mec il s'émerveille de tout, t'sais. En vrai c'était stylé les sons d'oiseaux. Enfin moi, oui, comme je disais, s'il y a trop. C'est trop. Le son est trop parasité, est-ce que je mettrai de la petite musique. Ouais, vous inquiétez pas, je pense à vos oreilles. Hein. C'est pas un bâtard. Donc, moi qui voulais en profiter pour me faire plaisir, bah, ça va être foutu parce que c'est complètement touché devant. Et les gens ici n'ont pas forcément le réflexe de se mettre sur le côté en fait. Bah, je viens de Nantes et sur Nantes, c'est vrai que les gens, dès qu'ils vous voient dans le rétro, ils se rabattent, c'était cool, sans le péril, voilà. Ici, je pense qu'il y a moins de motards aussi. Hein. Pourtant, je suis en Normandie, hein. Mais il y a pas mal de motards en Normandie, mais ouais, comme quoi, tu vois, un peu moins. Ouais, ça qui est là-dessus. Des fois ça peut être un peu énervant. Dans la ville où je suis, c'est une population quand même assez âgée et ils n'avancent pas forcément très vite. Donc bon, ça encore, quand on n'est pas pressé, ça va. Si ça peut porter un peu sur le système, bon, ça on s'y fait. Et en plus, si soit vous voit pas, vous avez la priorité, en plus, vous ne facilite pas vraiment la vie en vous laissant passer. Tout ça, ça peut vite être chiant. Mais bon, c'est énervant. Bon. En moto, pas s'énerver, on perd toujours. Même je pense que là, dans les vidéos, là, dans la chaîne, je vais continuer la chaîne, hein, je viens de la commencer, donc cette chaîne va continuer. Mais dans les vidéos qui suivront, il y aura des moments où je vais péter un câble, mais j'essaye quand même de pas m'énerver, mais je suis sans gars, donc je m'énerve rapidement, mais j'essaye de me raisonner, parce que je sais que les conséquences peuvent être assez graves. Donc, bon, je ne pas un exemple à suivre. On va essayer. Hein. Faut éviter de s'énerver comme les. Comme on peut voir là chez nos voisins américains. Ou même pas aux États-Unis. Hein. Ah, ça, c'est gentil. Merci, David. Merci. Comme vous voyez, donc comme je disais, comme on peut voir certains, je ne vais pas citer des gens pour ou une type de population parce que bon c'est pas très juste. Mais bon, sur une simple
Voilà, c'est un bon point. Voilà, ben, le mec il vous voit pas ce qui peut arriver. Du coup, il vous donne la priorité. Ben, les mecs ils vont s'enflammer, mais de ouf. Ils vont faire un splash dans le rétro ou ils vont poursuivre le mec, ils vont rester près de lui. Ils vont prendre des mesures, mais assez incroyable, hein. Et ça, c'est un truc qu'il faut éviter parce qu'on est dans un type de colère, on est beaucoup moins concentré sur la route. Vous avez une chance sur je sais pas combien, mais de vous coller d'une force. Donc non, contrôle de soi, hein. Contrôle de soi. Même si des fois on tape des colères, mais ça après on est humain, on ment aussi. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Des fois, je crois, croyez-moi, il y a de quoi s'énerver. Hein. Avec l'incivilité de certains, la nonchalance aussi. Alors, ça m'énerve. Quand on fasse une erreur, ok, il n'y a pas de souci. Ça arrive à tout le monde, mais moi, je suis le premier à en faire. Hein. Mais quand vous le faites remarquer, voilà, un feu rouge, machin, tu dis au mec, t'as fait de la merde, et que le gars ou la meuf vous snob, alors qu'elle vous entend, croyez-moi, vous entend, vous voir. Hein. Et qu'à vous, snob, oh là 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 là. Ah, c'est comme ça que j'ai éclaté mon premier rétro. Il n'y a pas de lézard. Hein. Alors là, parce que pour vous expliquer vite fait l'histoire, je rentrais du boulot. Voilà, donc j'étais un peu crevé, déjà un peu irritable. Dès que je suis sanguin, déjà j'étais irritable. Et voilà, ça se prend un rond-point. Et là, il y a un mec, là, genre sur la droite, il arrive. Il avait cédé le passage. Et il arrive. Il me voit. Le plan de nos yeux dans le plan de ses yeux, on se voit nickel. Hein. Le mec il me voit, limite t'as pu mettre la tête de Kappa sur sa gueule. Il me passe devant, mais vraiment, hein, genre à 4-5 mètres. Alors, du coup, je freine et tout. Et là, je vais pour continuer ma route. Et là, pour vous synthétiser, pour vous schématiser un peu le truc, vous pouvez imaginer le diable sur l'épaule gauche et l'ange sur l'épaule droite qui est en train de se battre pour dire. Non, vas-y, laisse. Et le diable dit non, vas-y, défonce-le. Bon, c'est le diable qui a gagné, hein, clairement. Du coup, j'ai fait demi-temps en rond-point. Je suis, oh, voilà, toi, tu vas prendre tarif. Hein. Je l'ai rattrapé. J'ai même pas tilté. Hein. J'ai vu son rétro, je l'ai éclaté. Bon, il n'y a pas de lézard. Ça m'a fait du bien. Je me suis mis en danger. Ça, c'est sûr. J'ai dû zigzaguer entre les voitures pour le rattraper, tout ça. Mais, Oh, c'est de la merde ça! Putain, mais signalez-le qu'il y a un trou dans la route, la bande de tocards! Putain! Restons calme. Enfin voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai arrêté ma vidéo ici. Je sais pas combien je suis, mais je vais pas faire un gros format. Hein. Faut que ça se regarde assez facilement, que je galère pas à le monter. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.